Radovan Karadzic a quitté de génocide dans des municipalités de Bosnie en 92, mais l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie reste poursuivi pour le massacre de Srebrenica en 95, considéré comme un génocide par le Tribunal pénal international de La Haye. 8000 hommes et garçons avaient été tués, le pire massacre en Europe depuis 1945.